Wow, c'est inquiétant ce qui est en train de se passer au Nigeria, mes frères et sœurs. Bonjour, 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 mes frères. Vraiment, c'est un truc de ouf ce que je viens d'entendre. Cet homme qui est ici, c'est un pasteur. Il s'est fait appeler un prophète au Nigeria. Il a suivi pas mal de personnes d'une grande église, c'est un homme riche. Mais aujourd'hui, là, il est déchaîné. Pourquoi? Parce qu'il a vu des choses. Il nous dit que il y a un grand danger qui arrive au Nigeria. Oui. Et qu'il voit, il dit qu'il voit en vision un grand danger. C'est-à-dire, genre, les ténèbres à venir au Nigeria. Et il nous demande de faire cette vidéo pour essayer d'informer tout le monde. Et je dois lui dire que vraiment, il a dit ça. Bon. Si c'est un vrai prophète, ça va s'accomplir. Si c'est un fou, ça va se savoir. Mais sans écouter, il parle en anglais. Hein. Il faut aider un effort de traduire cela. Vous pouvez également le mettre en commentaire. C'est parti. Everybody hear me? You can share it, you can video it on your phone. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Vous pouvez partager cela, vous pouvez filmer cela dans votre portable. Because I am seeing a great danger coming to Nigeria. Parce que je vois un grand danger venir au Nigeria. I am seeing a great danger coming to Nigeria. You can put it on your phone. You can put it on your phone. You can spread the news. Vous pouvez filmer, vous pouvez garder cela dans votre téléphone. Vous pouvez mettre cela dans votre téléphone. Vous pouvez prévenir. I'm seeing a great danger. Anamahanyada. J'ai vu un grand danger. I'm seeing a great danger. I see darkness. J'ai vu les ténèbres. I see darkness. Something danger is coming. Une fontaine de danger arrive. Don't say that everywhere is calm. There is no calm in anywhere. Il n'y avait pas de calme nulle part. There is no calm in anywhere. Il n'y avait pas de tranquillité nulle part. Nigeria, wake up. Nigeria, réveille-toi. Wake up. Réveille-toi. There is a danger. Ça, c'est un danger. Disappearing of this man. La disparition de cet homme, sans doute cet homme qui est là-bas. The disappearing of this man. I'm seeing the returning back. I'm seeing danger. J'ai vu le danger. It's not end. Has he returning back of an a dangerous preparation? I am seeing a fire horse with an angry spirit. Il a vu genre le feu d'un esprit fâché. I've seen a great danger coming Il a vu un grand danger venir on this country. dans ce pays. And I see it is too dangerous what I'm looking at. The returning back of a Nand Karo. I see a great danger. Là, je vous laisse écouter parce qu'il va répéter la même chose. Ceux qui comprennent bien l'anglais pour nous aider dans la traduction. Nigeria has seen a great darkness. Nigeria, j'ai vu de grandes ténèbres.
Only God know what you will do here. Seul Dieu sait ce que nous devons faire ici. Don't say there is a calm anywhere. There is no calm. Ne dis pas qu'il y a tranquillité quelque part. Non, il n'y a pas de tranquillité. There is a rising of action in a full force. Nigeria, I am speaking to you to know what to do. I'm seeing a fire horse coming to bring his vision through. Let's lift off our hands to the Lord Almighty, the creator of heaven and earth, the I am that I am. Mama mana mahayana. I sense everywhere shaking. J'ai vu partout trembler. Je sens déjà remuer. I'm seeing everywhere shaking. Je vois partout trembler. If it's quiet, it's not silent. If it's silent, it's not quiet. Lift your hands to the Lord God. Lève vos mains vers le Seigneur. Thank you, the Holy Spirit. Merci, le Saint-Esprit. Thank you, the Holy Spirit. Merci, le Saint-Esprit. Lift your hands to Jesus. Levez vos mains vers le Seigneur Jésus. When a man raised a doors and kept quiet, it's not yet done. I pray. Je prie pour vous. May the Lord Jesus guide you. May the Lord Jesus protect you. Que le Seigneur Jésus vous protège. Qu'il vous garde. In the name of Jesus. Evil shall not destroy you. In the name of Jesus. May God protect you in the name of Jesus. Que mon Dieu vous protège au nom de Jésus. Donc, en un mot, le monsieur a dit qu'il a vu vraiment un grand danger venir sur le Nigeria. Il a vu les ténèbres, le feu, un esprit très fâché se manifester dans le pays. Vraiment, c'est une chose grave.
parce que nous devons prier. Nous devons lever notre main vertueuse pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous garde. Qu'est-ce qu'il a vu? Waouh, moi je ne sais pas. Avez-vous une idée de ce dont il parle? Laissez en commentaire si vous êtes au Nigeria et racontez-moi tout. Si je vois un commentaire, peut-être je ferai une autre vidéo et on essaiera d'en discuter. Comme on dit chez nous, il faut prévenir que guérir. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Ah, moi je ne sais pas. S'il si a vu un danger, allez prier, demandez à Dieu de vous révéler si ce qu'il a dit, c'est réel ou bien qu'est-ce qui va venir? Que Dieu protège le peuple du Nigeria. Que Dieu veille sur vous, les frères. Que Dieu vous protège, les frères. Faites attention à vous.